Avec la création de l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication, ESATIC, l'État de Côte d'Ivoire se donne les moyens de développer une expertise nationale dans le domaine des TIC. Il s'agit en effet pour nous de prévoir dès à présent les ressources humaines en mesure de couvrir toute la palette des besoins en matière de TIC. L'ESATIC, qui effectue sa sortie officielle cette semaine, a été créé en janvier 2012. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan explique que sa création répond à une vision du président de la République Alassane Ouattara, celle de faire du secteur des TIC l'un des principaux leviers du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Les technologies, l'information et les communications sont à l'origine, nous a-t-on dit, de 5000 emplois directs et de plusieurs milliers d'emplois indirects, dont 250 000 sont liés seulement au secteur de la téléphonie mobile, avec actuellement 20 millions d'abonnés. L'État veillera au bon fonctionnement de l'école. C'est l'assurance donnée par le chef du gouvernement, aux responsables de l'ESATIC et aux 170 étudiants qu'elle accueille. La licence, le master et le doctorat sont les diplômes délivrés par l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication, ESATIC.